Bonsoir. Alors j'aimerais en tout premier lieu de souhaiter une très belle fête des mères en France. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, c'était le 26 mai, la fête des mères. Et nous, c'était 2 semaines passées, la fête des mères au Québec. Comme quoi, je pensais... Et peut-être que vous pensiez aussi la même chose. Là, vous m'entendez un peu avec la réverbération lorsque je parle. Je croyais que la fête des mères était partout en même temps, mais finalement, j'ai lu un texte que la fête des mères est à des dates différentes selon les pays. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir à Marie-Claude, Solange, Muriel, Colette, Marie-Ange, Gérard, Marie-Claude, Bernadette, et ensuite, je ne peux pas aller plus haut, je crois, Dominique. Merci Dominique, j'espère que le son va y rester et que l'image aussi. Sinon, ce que je ferai, je reviendrai sans le nouveau programme si le son manque. Donc, ce que j'ai pensé ce soir de faire... c'est de vous faire connaître une de mes chansons que vous pouvez retrouver en bonus sur le CD Le Chant de l'amour, je crois. Je sais qu'elle est dans un chant bonus et puis ça s'appelle le chant Comment attirer l'abondance dans votre vie. Et l'anecdote de ce chant-là, c'est que... par hasard, j'ai connu Sébastien Sochard qui fait des méditations guidées à tous les week-ends. Et puis, il avait toujours des affirmations positives. Et je crois beaucoup au verbe hein, quand on dit « je suis en santé »,« j'attire à moi l'abondance »,« j'accepte ». En tout cas, toutes des affirmations que j'aimais beaucoup lorsqu'il faisait ses méditations guidées. Et puis... il guide beaucoup les gens à aller vers ce qu'ils veulent vraiment. Ça m'a inspiré une chanson. Donc, j'ai pris les affirmations positives qu'il disait et j'ai fait une chanson avec et je lui ai même partagé. Donc, je vais vous la chanter. Et ensuite, je vous donnerai le lien de cette chanson et vous avez sur ce lien YouTube les paroles juste en bas. Ben, je peux vous la donner tout de suite si vous aimeriez écouter et en même temps suivre les paroles. Donc, je vais vous le mettre tout de suite ici. Bon, voilà, on va y aller pour ça ici. Plus je m'aime et plus je fais la paix avec moi-même. M'attend l'amour, j'accueille la vie. Plus je m'aime et plus j'accepte d'être moi-même et d'être aimé pour ce que je suis. Je mérite tout ce qui est bon. J'ai le droit d'être dans ma mission. J'accepte l'abondance. J'aime ce que je suis.
Je dis oui à l'amour, je dis oui à la vie, j'accepte l'abondance, j'aime ce que je suis. Je dis oui à l'amour, je dis oui à la vie. Et ma voix, ma réussite, je suis un génie. Plus je m'aime et plus je comprends le droit de m'exprimer. Je le vaux bien, je suis né pour être moi. Je mérite tout ce qui est bon. J'accepte l'abondance, j'aime ce que je suis. Je dis oui à l'amour, je dis oui à la vie. J'accepte l'abondance, j'aime ce que je suis. Je dis oui à l'amour, je dis oui. Et si vous allez voir sur, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, si vous allez voir sur le lien YouTube que je vous ai envoyé, vous allez me voir moi plus en blonde et juste en arrière de moi un gros poster de Madonna. C'est que cette journée-là, j'avais réalisé un de mes plus grands rêves, c'était d'aller assister à un spectacle de Madonna qui était à Montréal, au Québec, en 2008. Et oh là 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 là, c'était tout un rêve, donc j'ai réalisé ce rêve que je pensais jamais de l'avoir de mes yeux et de l'entendre de ma vie. Et puis... concours de circonstances, il y a un ami qui m'a dit « Regarde, j'ai un billet, on y va. » Donc, j'ai dit « Ok, on y va, c'est tout. » Puis, c'était superbe. Donc, j'avais pensé aujourd'hui de vous faire un petit cadeau pour ceux qui aimeraient avoir un extrait de leur mélodie de l'âme comme un genre de cadeau de fête des mères. Que vous soyez maman ou pas, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas été maman jusqu'à l'âge de 41 ans et je peux vous dire que j'étais déjà maman dans mon cœur parce que tous les enfants, je les prenais pour les miens. Quand j'ai eu le mien, ça a été la même chose aussi. Donc, une maman, c'est pas vraiment... Parfois, c'est vraiment parce qu'on l'a eu pour de vrai physiquement, mais aussi, ça vient du cœur en premier. Donc, vous pouvez faire une demande si vous voulez, si vous aimeriez un extrait de votre mélodie de l'âme. Ça me ferait plaisir de le faire aujourd'hui. Donc, je vais attendre un peu vos demandes. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Je vais vérifier pour le son. Oui, vous êtes supposé m'entendre encore. Je dis oui à l'amour. Je dis oui. Et vous savez, à des mamans, lorsque la maman est heureuse, les enfants sont heureux. Donc, si vous chantez cette chanson-là, moi, ça m'a attiré beaucoup de choses. De très, très belles choses, cette chanson-là. Quand j'ai commencé à la chanter, je l'ai peut-être chantée peut-être 75 fois. Et je peux vous dire que ma vie a changé parce que j'ai mis en application ce qui était dans la chanson.
Donc, je vous invite à la chanter aussi souvent que vous le voulez. Donc, je vais y aller avec en premier avec Christiane Van Dele ou quelque chose comme ça. Je vais y aller avec Christiane en premier. Si vous entendez, c'est mon garçon qui est en train de s'amuser avec un ami en bas ici. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de fun. Alors, je vais y aller avec Christiane. Son ami le qui la qui Damaya Wesselia non l'école Isaya quali Namo. Et ce que je vois pour Christiane, c'est comme s'il y a une petite fille à côté d'elle, à peu près de 10 ou 11 ans. Et j'entends le nom de Annika ou Annick ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est votre guide de lumière ou c'est vous quand vous étiez jeune, mais c'est sûr, vous n'appelez pas Annick, là. Mais je ne sais pas si cela vous parle, cette petite fille qui est à côté de vous dans vos énergies. Voilà ce que j'ai vu pour Christiane. Vous pouvez me revenir aussi pour me dire votre ressenti, votre... voilà. Donc, je vais y aller avec Christine Brouillard qui dit « Je dis oui à la mélodie » et elle dit « Oui à la vie ». Yam kuzan kiren to yani, yukula kia sunami, yam tu akirel nomi. San kula kuma no ma yakin to lae yekan san, yimanti yaleko. Je pensais que j'étais partie. Ok, je continue. Et ce que je ressentais pour Christine, c'est justement la joie de vivre. Je ressentais aussi les énergies de l'Afrique. Voilà pour Christine. Donc, je vais continuer. Je vais y aller avec Marie-Jeanne Lambert. Marie-Jeanne Lambert, voilà, je vais vous faire ici comme ça, Lambert. Ok, je vais déconnecter de l'autre mélodie. Ok. Je regarde votre photo en passant. L'âme est
Mon amour. Pour Marie-Jeanne, ce qui m'est venu comme ça, je ne sais pas si vous avez un lien avec les oiseaux, l'aigle. On dirait que c'est comme un symbole de force. Voilà ce qui m'est venu. Si jamais vous voulez avoir une mélodie complète, je vais juste vous donner le lien si jamais vous voulez. Sinon, ben, on s'amuse ici. Voilà, je vais revenir pour ici, voilà. OK. Je vais vous donner le lien si jamais vous aimeriez avoir la mélodie complète. Et je vous l'envoie. OK, c'est bon. OK, je vais revenir un petit peu plus haut. J'essaie de voir les retours. Isabelle. S-N-I-E-G-U-L-A. Je ne m'entends pas le... Je vais y aller avec Isabelle. Il y a des visages que j'ai déjà vus. No. Et ce que ça m'a dit, on dirait que c'est comme s'il y a des mouvements. Lorsque je dis mouvement, ça veut dire des contractions dans la vie, là. Qu'il y a des défis, on pourrait même dire karma, si vous voulez, par rapport aux hommes. Puis ce que ça m'a dit fortement, c'est de vous écouter en premier. Que votre voix intérieure, votre intuition ne vous trompe pas. Que vos guides de lumière vous parlent très fortement par rapport à vous réaligner. Et il y a, comme je dis, je vois comme une lumière très puissante qui vous traverse la colonne vertébrale. Vous pouvez juste l'imaginer et c'est là tout de suite. Voilà. Vous devez m'entendre un peu en réverbération, j'imagine. Bon. Ferme ici, ferme ça. Ça aussi. OK, même je ressens même au niveau du cœur là, ça brasse pour Isabelle. Pour Christiane, c'était Annick ou Annika. Bonjour à Marie-Claire, Christiane, Nathalie, Maria, Yolande, Solange, Roger. Allô Roger. Laurence, Stéphanie, Maria, Elena, on est beaucoup. Je vais y aller avec Patricia Di Nano. You are me, so long.
Je vais prendre tout le monde, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et je vais faire une mélodie de groupe comme un soin. Puis là, j'ai une idée. Moi, ce que je trouve vraiment plaisant là-dedans, c'est que je peux faire ce que je veux. Donc, je laisse mon intuition me guider sur ce qui vous ferait du bien ce soir. Donc, je vais y aller avec... OK, je vais regarder ici si je peux vous trouver quelque chose qui est super intéressant. Je vais aller avec une musique en 528 qui répare l'ADN et qui est le pur amour, Positive Brains, ce qui donne l'énergie positive, la transformation avec l'énergie positive. Je vous invite justement à prendre des écouteurs pour entendre. Mais là, je ne suis pas sûre si je vais être bonne pour vous le faire écouter. Ah oui, je suis bonne. Ce que vous entendez là, c'est la vibration du 528 Hertz. Donc, je vais vous faire un soin collectif qui va durer 1 ou 2 minutes. Sur les énergies de la fête des mères en Europe, en France. On y va. Voilà. Bon, ben, c'était mon petit coucou de ce dimanche. Alors, merci beaucoup pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Je reviendrai. Et non, ça coupe aussi. OK. Ben, si ça a coupé, peut-être le réécouter en replay parce que d'habitude, parfois, ça coupe ici et finalement, ça coupe pas en replay. Son, non. Oh là là, ça a-tu déjà fini? Non, on a encore le son. Bon, OK. Je vais un peu regarder les commentaires avant de partir. Je vais regarder un peu si j'ai eu des retours. Toujours magique. Maria, Christiane, est-ce que c'est OK? Ça, j'ai lu ça tout à l'heure. J'ai pas passé tout le monde, mais c'est pas grave. Je vais revenir de toute façon une autre journée pour vous faire des extraits de Mélodie de l'âme. Alors, je peux pas aller plus loin. Donc, vous pouvez quand même continuer à commenter. Moi, je lis tout. Et je reviendrai probablement demain
Demain avant-midi, oui, je crois que je peux, à 14h30. Je vous laisserai savoir avec une annonce. Donc, merci à Laurence, merci beaucoup pour cette belle musique et bonne soirée à vous tous et belle journée au Canada. Je vous remercie beaucoup aussi. YouTube, je ne fais plus. Oui, je vais refaire, mais entre-temps, il faut que je trouve le truc parce que sinon, je le fais en double. Donc, je vous reviendrai avec de plus amples détails. D'accord? Alors, bonne fin de journée à tous et encore bonne fête des mères. Au revoir.